Gen PM Gaïkoni mette avec DG Ramon Amil, conseil présidentiel. Messieurs, dames, yo vraiment travail la journée ou la nuit pour garder comment que yo capable répondre avec un ensemble de situations peuple haïtien qu'on est là, surtout question insécurité. C'est vrai que des amis qui ont dit blesse à mon cher pas cap révéler, mais non pas révéler rien, mais sauf que me connaît. Gen de gros réunions qui a fait là, gen de gros séances de travail qui a fait dans mi-temps acteur conseil. Alors, autorité au niveau dans l'État, pour garder comment capable battre contre question insécurité et permettre que pays que le capable débloquer. Et PM Koni, DG Ramon Amil et conseil présidentiel yo, messieurs dames ça au cementé, y a libéré pays yon, y a débloqué pays ça et y a kaba avec question insécurité. Bien que qu'y a ensemble des secteurs, qu'y a ensemble des acteurs intérêt yo, c'est pas pour insécurité à résoudre. Yeah, intérêt yo, c'est pas pour insécurité à résoudre, mais intérêt c'est pour situation été comme ça. Parce que ces gens payants et là, c'est dans insécurité ça, c'est dans calamité ça, que yo même yo fait capital yo, yo fait bonheur yo fait capital économique yo. Pendant ces temps, yo pas rendre compte que grande majorité, hein, environ 12 millions haïtiens qui ont souffri dans grand calamité, mettez sous diaspora haïtien, hein, yo besoin de sécurité la caillou, yo besoin de la paix la caillou pour que yo capable résoudre pays, hein. Yo capable entrer dans pays, hein, pour capable faire activité yo. Gen ancien ministre justice et sécurité publique, maître Luc Mandelil. Monsieur mandé autorité yo. Dégagez yo bay force de l'audio moyen bay yo matériel pour combattre insécurité hein. Et il mande yo prendre très au sérieux ça qui a passé là comme insécurité. Prenez ça très au sérieux et il dit clairement jusqu'à présent il paraît et il prêt pour que li bay expertise li pour que li bay connaissance li avec autorité qui la yo pour aider on à résoudre insécurité hein. Et monsieur dit, si pas de bataille politique contre lui, l'été ministre justice, situation insécurité à Jean-Rivé là, l'étape qui est à résoudre, ou bon parti la donne, parce que l'étape résout le problème village de Dieu. Elle dit, il y a tout plan, il y a tout stratégie pour aider l'État, pour aider moun ki la yo dans résoudre sa insécurité. Est-ce que y a fait appel avec Mandelil? Est-ce que Jean-Kenek Améo a essayé de garder stratégie ou là pour être capable de contrecarrer l'autorité? Je dis, hein, laissez-moi dire nous. Équipe qui l'a, quel que soit le gouvernement qui a dirigé, quel que soit le conseil présidentiel, yo, et quel que soit le DGA et la police, Ramon Amil, messieurs, dames, nous gagnons en pile responsabilité, nous gagnons en pile, nous gagnons obligation à nous-mêmes pour que nous arrivions à résoudre ça guerre comme des situations. Insécurité physique, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire et insécurité foncière des Irvenes. La situation de notre premier ministre Gaël Koni écrit sous compte X, c'est avec la peine, moins après une disparition, 40 compatriotes dans la messe maintenant. Moi, j'ai une pensée spéciale pour la famille. À 15 amis, Mounsao, qui vivait victime dans le drame, c'est là, nous devons continuer, et nous pas de continuer à perdre frais, accès dans l'ensemble des conditions, ça, c'est ça. Premier ministre haïtien, chef de gouvernement, Gaël Koni, écrit, sous compte X, c'est ça que fait, moi, prêt à continuer le travail pour améliorer les conditions, la vie, chaque haïtien en dedans pays, pour y avoir intérêt, pour y avoir vivre la caillou, pour y avoir le risque, dans l'ensemble des voyages, ça, pour y avoir perdu la vie. Comme ça, il y a divers, monde qui est apprécié de regarder ça qui a passé en dedans pays le cas de Wendy Fell qui réagit sous tweet là que chef gouvernement fait l'explication. Wendy Fell écrit il dit c'est avec tristesse moi apprendre comment ou insulter quelque monde qui te filmé au sous pouvoir parce que yo osé contredire sur quelque point ou jouer yo parce que estimé c'est celle blanc ou doit explication modèle comportement ça yo dans un moment côté tout acteur doit mettre tête ensemble pour changer ça pas faciliter développement pays a moi conseiller changer façon ou traiter partenaire politique ou yo pour carré ici à la transition c'est ça Wendy Fell conseiller et c'est ça Wendy Fell dit sous compte X comme réponse avec premier ministre Gaël Koni qui adressé avec à plus passer 40 monde qui rivait perdre la vie sous la mer qui t'a pas tenté quitter tes pays d'Haïti. Blaise Peterson.
ambassadeur pays des États-Unis en Haïti, hein? Nous voulons parler de Dennis Hankins qui déclarait dans micro qu'on ferait nous la voix d'Amérique pour dire prochain et contingent qui doit rentrer dans pays, hein? C'est-à-dire Jamaïque dans quatre missions multinationales là qui pratiquement pas gagner pour venir appuyer la police dans cadre combat que doit mener à l'encontre des gangs en dedans pays. En plus, le monde a posé cette question, qui est la cause que vous pas attendez bri officier kenyan après avoir fini mettre pied en bas la ville bandi et 5 secondes qui sous contrôle isoyoté l'ouvrir coup d'armes sous blindé MRAP qui était escorté ensemble officier kenyan avec la police nationale d'Haïti. Blessé personne, nous a posé cette question, est-ce que visite des lieux a tout fini après Rafale Katouche si là, parce que yo pas ouais qui ça officier kenyan ou fait encore après yo défini pour baptême des feux yo t'a couru monter descendre en dedans blindé yo. Blessé personne, c'est gros question qui a posé barbecue dans zone parle lui toujours continuer à montrer qu'elle pas paix hein, lui montrer qu'elle pas inquiété pour question mission multinationale qu'elle t'a de cap parler là. Blessé personne, c'est ça qui cause que la fouille tout dans Badelma. Elle déclaré ensemble tout ça que la fouille a, c'est pour exiger officiers, policiers, militaires mettez pied yo à terre pour qu'a faire bataille corps à corps, c'est pas avec blindé ou policiers yo rivé dans zone là. Gien président conseil transition monsieur Edgar Leblanc fils qui t'a participé dans funérailles nationales qui au bail avec Serge et Ducos Amédée, ancien membre club football Aigle Noir et dans Bel Air, et bien il était profité tout pour te rendre dernier hommage posthume avec jeune garçon aussi là qui était représenté pays d'Haïti valablement dans ça qui vient pour avec question football. Blaise Peterson, scandale ça il continue à faire chemin en pile confrère à parler de lui, division dans mi-temps conseil présidentiel. Moun qui fait partie, regroupement politique, organisation, qui désire moun qui veut dans le conseil présidentiel, cap goumé pour rejoindre des postes en plus, ça permet à l'obéi pété dans Kay, lui Gérald Gilles avec des conseils présidentiels, Moïse Jean-Charles de fait partie, de ne cap goumé dans l'oligarchie corrompue pour prendre contrôle des DNC, ça permet gros bouche l'ouvrir entre messieurs, dames, blessés personnes. En plus, moun a posé cette question. Si c'est comme ça que nous continuer, à mener pays à, est-ce qu'il y a un petit crasse qui vient pour le peuple haïtien? Un peuple qui trouve dans une situation extrêmement difficile. État d'urgence sécurité a semblé pas faire bandit, ni chaud, ni fret des personnes. Kidnapping n'a pas campé, moun pas suspendre, mourir en dedans pays à, c'est bandit à examen dans le département de la Tibonite qui a fait causer, il a coupé route pour empêcher chat traverser, pour aller dans le ponçonde, pour aller secourir la police, pour jusqu'à présent, recommandement la police à marquer pas sous place, pas de rien. Qui j'aime qu'on fait dans quatre questions si là, Blaise Peterson, qui a la pérèse totale, beaucoup de monde qui vivent dans ensemble commune qui ont déclaré état d'urgence sécuritaire. Mon nom c'est Michel de la Talaye, après des situations très, très, très difficiles, yo mandé pour attirer attention autorité qui n'ont ministère de travaux publics pour question route Saint-Raphaël, Saint-Michel, qui déjà causé plusieurs monde perdu la vie, Blaise Peterson et amis internautes qui branchent tout partout. Vous regardez ensemble pour ça, avec des réactions de monde qui sous scène politique là, des haïtiens qui réfléchir, qui garder ça qui passe dans pays à Blaise Peterson à travers émission si là. Et n'a pas ajouté des Ivenes qui est conseiller présidentiel Leslie Voltaire selon ça qu'on capable li et sous compte XRFM monsieur qui rendit dans pays Saint-Domingue samedi là, samedi qui c'était et 20 juillet 2024 là conseiller Leslie Voltaire mais côté monsieur est allé faire ça relé un check-up médical, attendez bien oui. Conseil présidentiel Leslie Voltaire. Samedi qui c'est 20 juillet. Monsieur qui a fait un check-up médical dans le pays Saint-Domingue. C'est Saint-Domingue l'aller, là il prend soin qu'il nécessité. Conseil Leslie Voltaire puisque il y a des monde qui t'a fait connaître que c'est en urgence que monsieur t'es allé et Saint-Domingue. Monsieur dit non, il va aller en urgence Saint-Domingue. Au compte que vendredi 19 juillet, il était accompagné avec DG la police Ramon Amil. Il était visité base mission multinationale soutien et sécurité Haïti à M. Kenyayo. Qui donc, il va aller en urgence, mais là, il prend soin qu'à la nécessité dans le pays Saint-Domingue. Conseiller Leslie Voltaire. Et qu'à ou même, qui c'était l'hôpital général de qu'on a pris soin? Et ça m'a dit d'ailleurs, il désire. Et quand tu m'as allé mal et résio? C'était l'hôpital général qui a été prendre soin
depuis 29 février, bandits prennent en otage. C'est vrai, ça gagne une semaine à deux semaines. La police dit que ils prennent contrôle li. Mais jusqu'à présent, n'a pas l'air là. L'hôpital général, le bâtiment que nous on est côté logé, hein, li beaucoup jamais capable en service. Parce que bandi yo, yo ratibrasé, yo boulé, yo crasé, yo volé, yo pillé ça ou jouen en bagé yo. En dedans l'hôpital général, yo crasé un ensemble de matériel dans ensemble de services qui gagnent en dedans l'hôpital général. Ça veut dire, si c'est pour l'hôpital général jodi en là, yo moun ou malheureux qui va gagner 2 3 4 5000 alors qui va gagner 50000 goud qui va gagner 100000 goud qui t'a gon problème et à l'extrême urgence dans moment pour t'al payer un hôpital privé ou dis moi est-ce que yon clinique privée dans moment ou déjà mouri et malheureux qui t'on a prend soin non et sa santé porte aller au gan gestio et on ensemble l'autre santé qui trouvé dans sa trouville Port-au-Prince jeudi hein que bandi contrôle zone sa yo bandi crasé ratibrasé zone sa yo je dis hein oui ou c'est conseiller oui ou gen moyen oui ou gen opportunité que avec privilège l'état ba ou capable monter ses domaines et si la pas ka aller yo quelque chose et ça fait fois nous bataille faut nous goumer pour l'état parce que je dis en santé pas qu'à tourner en luxe en paysan santé pas qu'à pour catégorie de monde parce que c'est monsieur Etel parce que c'est madame Etel parce que c'est conseiller Etel il est capable d'être aller Saint-Domingue il est capable d'être prêt à aller aux États-Unis mais et ça pas qu'à aller au même il y a mouri là avant il y a m'étendre conseiller l'estival qui a dit ça pas seulement insécurité physique là mais insécurité physique là tout qui insécurité sanitaire là. Je dis à ces plusieurs milliers de monde qui pas qu'à prendre soin, non? L'hôpital général, l'autre côté, encore, qui peut être qui va se sentir. Mais conseil, si Voltaire, mon cher, n'est-ce pas conseil président, n'est-ce pas l'argent dans la main, n'est-ce pas monter côté le blé? Et ça rappelle tout. Ancien sénateur nord-péen, Narou Marcellus, nous changez? Les monsieur étaient en difficulté dans le Sénat, ils étaient obligés de courir avec le niveau Jacksonville aux États-Unis. Est-ce que vous rappelez nous ça? Je dis à faire une bataille pour l'autre état. Et est-ce que nous rappelons tout? Jusqu'à présent, nouveau local flambant neuf, l'hôpital général, qui a construit depuis des années là, qui va jamais finir. Une équipe de pouvoir passe, nous avons volé, nous avons gagoté, nous avons déchirpillé l'argent décaissé pour reconstruire l'hôpital général. Jusqu'à présent, nouveau local n'a jamais fini. Alors que, l'écrit noir sur blanc, droit à la santé. Droit à la santé. Et santé, à quel que soit, ou t'es moun rouge, ou t'es moun noir, ou t'es tête graine, ou t'es cheveux sirop, droit à la santé, c'est une obligation. Quel que soit t'es haïtien, quel que soit t'es étranger, des bouts en Haïti, ou des bouts ou droit pour une soin santé. Et dans condition décent, condition normale. T'as qu'à arriver au gué, puis au moins, on voulait aller dans un bail qui est sophistiqué. Mais doué, question accès à ce santé, il n'y a pas de un luxe pour ensemble de monde. Je veux dire, conseiller, t'es capable d'aller. Conseiller, si vous êtes capable d'aller. Il y a qu'à guetter ce domaine. Chasse pour lui. Mais est-ce que dans le moment, les frontières ont été fermées? Les questions au canal, que Abinel a été fermé les frontières, ça t'a fait. Ça t'a passé. Hein? Je dis, je crois que, faut nous remettre. Faut une bataille pour nous permettre que ensemble de problèmes ça yo qui résout et destination paysan destin paysan li nan men haïtien. Desi Venès, j'en nous dit non. Gen de gros travail, gen de gros réunion qu'a fait là. Et pas oublier que conseil présidentiel yo jusque nan accord 3 avril là nèg yo clair sur ça. Objectif là c'est river remplacer Conseil supérieur police nationale là par Conseil national de sécurité KNS. Maintenant KNS ça a bien la donne la présidence le gouvernement pour me dire la primature a bien un ensemble de ministères a bien direction la police là a bien chef et commandant chef de l'armée d'Haïti. Mais c'est un strictie que nèg yo prévoit mettre campé ensemble après passage mission ça dans pays hein, pour que yo style toujours que ça relé yo structure qui camper pour garder comment que ka une fois pour toutes prend de disposition pour arriver résoudre bataille en question insécurité dans pays hein. En pile secteur déjà voyé non représentant yo
qui pral fait partie conseil électoral provisoire. Bien que grand pile secteur k'ap goumen entre yo là. Mais n'a dit jodi an, priorité peuple haïtien, m'ba di non pour pas élection parce que faut y aurait renouvelé personnel politique là parce que l'Ukraine va arrêter dans éternelle transition. Mais m'ba quoi que jodi an. Parler de élection dans payant, c'est d'abord parler de sécurité. Parce que pas aucun candidat, la pral risquer ville, qui pral risquer tête li nan moment. OK? Qui pral risquer ville, qui pral risquer tête li nan moment pour que l'état dit li pral mener campagne surtout dans département de Spéyan, dans 11 communes que bandi contrôlé yo et dans 3 communes dans Balatimoni que bandi contrôlé yo. Ma quoi? Même les candidats avec candidat sa taf ou bel tasou, li pa ka di pa mener campagne dans zone dans commune que ça occupé yo. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis hein, priorité hein, première action hein, c'est rive établir sécurité. C'est rive permettre que la sécurité qui établit dans le pays. Et je dis hein, moi crois que le plus important Jean que ancien ministre de justice et sécurité publique maître Luc Andelil dit là, c'est bail moyen avec force l'audio. Il mande autorité yo vraiment dégager de volonté réelle, de volonté manifeste, n'a permettre que force de l'audio bay résultat dans question sécurité des événements. La situation problème insécurité qui vient dedans pays hein, c'est un problème nous ta dit même gens, yo connaît gaz, c'est un produit transversal, mais l'insécurité c'est un problème transversal pour tout pour résoudre tout notre problème yo dedans pays. Pas oublier que insécurité c'est fils légitime de corruption. Corruption, tant que Jean-Jovenel Moïse a dit. Résoudre le problème insécurité, il n'y a pas un bagage facile. C'est tout un combat pour mener, pour jouer un bout d'insécurité. Parce que il y a tout secteur, il y a toute couche là-dedans. C'est à cause qui paraît difficile comme ça. En pile fois, l'état d'urgence sécuritaire déclaré sur tout pays, il n'y a pas qu'un résultat. Est-ce que fois ça, disposition avec ambition, que Ariel Henry te gagne, qui fait distribuer les armes, qui fait rendre que le pays attaque aujourd'hui, parce que c'est une forme d'ambition quand même, qui rend qu'elle te passe tout le temps, 32 mois, pas même une opération France LB pas mené contre gang dans le pays. Qui vient rendre, dans le pays, il vient là, il vient dans une situation qui est difficile, côté beaucoup plus jeunes garçons, à jeunes femmes, intégrées dans le groupe armé, dans le groupe gang dans le pays. Jovenel Moïse, avant de mourir, lui mettait CNDDR. Yon regroupement ou yon institution qui pratiquement te gen pouvoir pour entamer dialogue à tout réseau criminel qui en dans pays a tende ensemble de revendications yo, qui sa ke au besoin, qui sa gouvernement de faire pour yo, yo capable de déposer les armes et remettre les armes avec autorité de l'État. Malheureusement, ensemble des patrouilles, commencez. Jean-Rebel Dorsena, je viens de déposer dans les bandits. Bandits partagé avec Jean-Rebel Dorsena des données pour dire, mais qui côté acheter les armes? Mais qui est-ce qui a commencé par les armes? Ou jusqu'à présent, Jean-Rebel Dorsena, viré tout rond dans diverses radios, locales ou internationales, pour dire qu'il y a 11 bon. Familles qui vendent des armes en dedans pays. Il y a 11 familles qui conduit pays d'Haïti côté lié là. Il y a 11 familles qui rendent Matissan, La Saline, Cité Soleil, Belay, Village de Dieu, Savien, Lester, La Croix-Péris, qui rendent zone ça yo, une zone de non-droit. Population, pas jamais ka connaît, parce que Jean-Rebel Dorsena a déclaré qu'il ka mouri, s'il ba information ça yo, mais en pile moun tout a interprété. Est-ce que Jean-Rebel Dorsena pas fait marchandage avec parole ça? Pour continuer à faire l'argent dans les oligarques corrompus. L'état d'urgence sécuritaire décrété. Est-ce que ça. Nous devons analyser. Nous avons dit que nous pour qu'on ait si dimanche ou bon, il faut être vendredi, il faut être samedi, on est à la douche, matin dimanche ou la pote qui choye. Après, décret a fini sorti. Si tu as un bagage sans doute qui t'a de fait, bon côté bandit, contre ça qui a fait dans le pays, vous allez voir que violence a suspendu. C'est même avec sanctions. En pile pays, ou bien plusieurs pays,
t'entends pour avec des nègres là, yo dit que nèg ça yo, il a financé gang ou bien était dans création groupe gang. Ensemble de sanctions par réglé non. Au côté gang vient plus puissant. Moi c'est même bagaille pour arriver avec question décret état d'urgence. C'est vrai PM Gariconi fait qu'on est à partir décret que yo prend dans tête collée avec tout membre gouvernement dans des têtes yo yo déclarer état d'urgence sécuritaire. En pile expert qui a regardé qui dit c'est une bonne décision, mais décision pas qu'à arrêter tout simplement sur les papiers. Faut tout commencer ouais action qui a posé. Faut 11 jours après décret a fini sortir de personne ou t'es ouais au moins grand axe outil t'es commencé à désenclaver, t'es commencé à désengager par les bandits. Vous passez Canara ou venez dans le département là pour aller dans nos pays là. On a toujours joué les talibans de Jeff Gaulois, Jeff Laos, ils sont toujours là. Au contraire, pendant plusieurs jours, n'en fait on la rue Port-au-Prince, collaborateur, confrère nous, Claude Nader Antoine, Fred Kenito Banat, dit on a eu beaucoup plus augmenté sur la rue, malgré qu'il y a un décret qui sorti, qui dit que la police a tout pouvoir pour attaquer les gens. Qui a commencé? Qui a commencé? Comme le ministre a dit, journaliste, pas parler de l'opération de la police, pas faire reportage ni avant, ni après, c'est que mal comprendre. Comment faire opération qu'a fin fait pour empêcher pour dire ou empêcher journaliste faire reportage isolé? Bon information c'est information opération c'est information li ou di journaliste va qui doit faire reportage isolé. Ou a dit avant dans moment opération pral mener journaliste va qui doit présent mais après journaliste a gen droit. C'est même constitution ça qui ba journaliste a droit les personnes pour faire à travers information qu'elle gagne sur ça qui passé. OK? Dans l'opération, c'est sous officiel la police qui a fait le qui ne fait pas faire un reportage avec là. Même, l'institution résout le problème d'insécurité, ça. Il peut demander en pile fougue, n'a pris en pile grosso avant d'arriver à traverser le bout de rivière, ça, l'institution. On nous vient avec Maître Luc Mandelil, puisque il est important pour nous entendre, parce qu'il va oublier, Mandelil, en plus, dans la société, à son égard, il y a un pile respect. Et pour tout ça, il a été ministre de justice. Et qui était une volonté pour te aider à l'époque président Jovenel Moïse pour te aider et puis moi à l'époque il y a un PM qui c'était Joseph Jout pour te garder comment tu capable résoudre bataille contre insécurité hein? Mais les que nous garder nous observer kounia nous bagarre là li nettement différent mais Luc Mandelil qui pas suspendre li pas suspendre montrer et vraiment montrer volonté que le gagnant et gens que l'idée que le gagne yo nan bataille pour résoudre question insécurité. Monsieur vraiment gen volonté et monsieur vraiment vle bataille nan aider pour résoudre sa guerre comme insécurité. Et li di li pas besoin dans l'état sauf que li besoin li ka toujours mette connaissance li que nan niveau que le capable bay avec autorité yo pour qui gens yo capable river résoudre question insécurité. Mais maintenant nous tendez Luc Mandelil et puis moi désir venir d'abord n'a pas qu'on faire entrer sorti yo pour aider nous comprendre bien sa guerre. Appelons moi du coup installé. Mais ça nous remarque c'est que Français a dit qui embrasse tout malgré. Et on croit que sécurité, c'est le plat quotidien de l'haïtien. Bagaille sécurité, ça a limité pays à genoux. Nous n'avons pas senti effectivement que l'équipe qui l'a ouvert les mains tout bagaille. Tandis que sous résoudre le problème de sécurité, sécurité, hein, automatiquement, tout bagaille a marché. Exact. Mais, exact. Et priorité, gouvernement qui l'a, et ça doit faire rapidement, c'est résoudre le problème de sécurité, hein, et deuxièmement, pour mettre cap sur les élections. Mais si on ne résout le problème de sécurité, hein, ça veut dire que on ne peut pas faire l'élection. On même pensé que chantier prioritaire, c'était d'abord sécurité. Bon, chaque fois qu'on parle de sécurité, en Haïti, souvent, nous est la police seulement. Et on pensait que la police nationale d'Haïti, c'est une institution d'État, une institution républicaine, c'est une entité de sécurité, de chaîne de sécurité, pour ne pas dire c'est la plus petite entité de la chaîne de sécurité. Parce que donc, des moyens de sécurité, c'est son question d'État. C'est la première mission de l'État. Donc ça veut dire que le monde qui est en tête pays, c'est eux qui ont établi priorité. Qui s'arrive? Est-ce que c'est sécurité ou pas?
Donc la police a elle seule pas qu'à faire toute bagaille pour col. Parce que la police sont institutions de même que l'armée, c'est-à-dire les ordres viennent d'en haut. Ça veut dire que si mon qui est tête exécutif là, pas fait, pas de préoccupation pour question de sécurité, ça, problème n'a pas besoin. Faut sentir un engouement, une volonté, un dévouement, ils voulaient éclater monsieur criminel ça. Monsieur Badio, il y a même le clair qui brûle les faits. Il y a brûlé l'université, il y a brûlé l'église, il y a brûlé le marché, il y a brûlé la pharmacie, il y a crasé toute infrastructure de l'État, n'a pas le commissariat. Sauf cimetière vraiment, ça veut dire ça, il choisit aller dans le cimetière au col. C'est pas moi qui voulais voir, il choisit aller. Là, moi, je me sentis que qu'on sort de passer mes la tête, monsieur terroriste criminel, et qui fait monsieur sentir à l'aise comme ça. Quelquefois, on va sentir qu'on met ça fort, qui voit à l'endroit de nous, comme des tas de réactions sur la police, à nous dormir, donc, c'était clair, sans équivoque la déclaration, même parce que le besoin de support de la part de l'autre monde et autorité qui est dans l'État. Parce que dans le bien, il faut clair avec. Monsieur, ça, c'est pas nous choisir pour vous aller, c'est nous choisir pour vous faire. C'est des mondes et bandits criminels, ça, ils ne peuvent pas changer. Et si on pense qu'ils sont capables de changer, moi-même, je pense que nous trop payons. Ils ont bandé notre pouvoir qui passe avant, ils ont pensé que la passée de sous eux, passée de la tête, c'est ça qui est capable de faire quitter l'activité criminelle qu'ils ont fait. Et bandits, ça, ils ont 100 fois de loi, ils n'ont rien qu'à faire changer, parce que c'est les amenants. Et qui va au bel caille, qui au volet, qui a pris l'argent, tout le temps exhibé des richesses, quand c'était l'argent américain, quand c'était l'argent haïtien ou gagné, monsieur super riche. Moi-même, je pensais que faut que des mesures drastiques qui prennent à l'endroit des terroristes. Allô? Ah, non, là, maître Delib. Allô? Non, là. Oui, on parlait de mesures drastiques, ça veut dire qui ça? Des mesures drastiques, écoutez. Et l'État, c'est lui qui détient un monopole de violence légitime. Bandit qui a fait ça, c'est parce que bon sorte de tolérance, bon laxisme à l'endroit de eux. Parce que pas oublier, criminel ça, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de doctrine. C'est pas des mondes de conviction. C'est volant. C'est l'individu volant. C'est pas un monde comme Sindado qui a une idéologie. Comme s'il y a suivi. C'est pas ça. C'est des mouns qui l'a fait maman à papa crier. Maman à papa pas de l'eau encore. Tout le monde se code là, fille ou garçon. Et l'on a dit, monsieur Gagné, sous parle dans le sud là. Il y a un centre de ville Port-au-Prince jusqu'à l'on va arriver à limite la colline. C'est-à-dire la frontière de l'Ougane. Sous prendre la zone noire, bon, Johnny s'est expliqué, il s'est bail assez d'explications sur ce qui est sur la Kibonique, l'Islam, pas besoin de tenir sur ça, nous tous connaissons. Moi-même, je crois que il faut gagner des mesures fortes à l'endroit du criminel Zayo, parce que les gens sont allés là, dès qu'ils ne peuvent pas faire bac, et ils doutent que eux-mêmes, ils n'ont pas déposé les armes. Moi-même, je crois que et les pouvoirs satisfaits de l'âme, parce que tu as un bon message clair contre les criminels, tu as bien deux choix. Comme une commission que le CNDDR, que le président Préval a créé, et le président Jovenel Moïse de Defun, est venu réactiver, moi-même, je comprends que le pouvoir a bien deux déclarations. Ou bien monsieur déposé les armes dans le CNDDR, ou bien la police de Bichon clair ou éclater. À partir de ce moment, une fois déclaration là, fait, et l'État, dans toute composante, l'accompagner la police nationale d'Haïti, et la police nationale d'Haïti, les embryons des forces armées d'Haïti, et pour traquer monsieur comme des bêtes sauvages. Et ces animaux sauvages, il n'y a pas gagné qu'à faire au fait-back. Il faut nous clair sur ça. Ces âmes-là, ils permettent, ils violent, ils tuent, et monsieur super riche. Et il y a toujours exhibé richesse, yo, et nous tout ouel. Moi-même, je crois que la situation est là, faut que tu aies un CSPN élargi. Parce que CSPN n'a composé comment?
premièrement, le Premier ministre et président CSPN, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ces deux vice-présidents CSPN, et le directeur général de la Police nationale d'Haïti, et premier secrétaire exécutif et CSPN, et l'inspecteur général en chef de la police, deuxième secrétaire exécutif. Situation spéciale de là. Moi-même, je crois que la douane, son entité clé, faut qu'il soit capable de faire CSPN élargi, il t'a capable de faire partie du CSPN, d'en parler de douane. Bon, bref, on task force, commissaire gouvernement, mairie, et KZ, AZEC, alors, Fonda Castri, criminel, mais qui parle en kidnapping, qui parle en gang, qui parle en rapport de près, de loin, de très, très loin, avec criminel, ça. Parce que, au moins, on a aidé. Et pour nous permettre que saisie du renseignement fonctionne. Moi-même, pensais que CNDDR, là, t'as qu'à aider tout. Parce que, monsieur, dans CNDDR, dans pile information, on a parlé de colonel Foxtil, on a parlé de Jean-Aubel de Sénat, on a parlé de Lalando, et qui gagne plus d'informations, il a partagé par l'État. Monsieur, tu as supposé qu'il y a deux choix. Si, effectivement, vous voulez résoudre le problème sécuritaire, mais il y a deux choix. Parce que si vous voulez déposer ça, de toute façon, il faut bon monde qui, pour parler avec vous, ne pas dire que l'exécutif. Donc, l'exécutif n'a pas le droit ou l'un, aucun connivant de dialogue avec gang, etc. Mais, qu'on institution qui est là pour ça, si vous voulez déposer ça, qui est là pour réhabiliter vous, ils veulent, eh bien, pas de problème. Il y a des petits mounes de 10 ans, 15 ans, qui pour conduire aussi, et qui pour qu'on définitive, servir le pour brûler, au moins, il faut avoir une possibilité. Et si on veut déposer des armes, si on parle de tout, et la police a une mission claire, sans équivoque, pour éclater criminels armes. Mais, je pense que si le message est fort, ça, aller à l'endroit de M. Sayo, et c'est ça qui fait à l'aise comme ça, M. Abkalikoyo, il y a exhibé richesse, il y a fait menace, il continue à craser et à défier l'État, il y a craser les institutions publiques, etc. Même quoi que, situation c'est inacceptable, moi-même pense que, choc et pouvoir qu'il a choqué Koyo, c'est vrai qu'une baman de fait miracle, parce que ça fait un mois ou gain, mais au moins faut sentir velléité, zèle là, pour traquer M. Sayo comme des animaux sauvages. Bon, c'est que n'a pas avancé avec RS et interview ça que maître Luc Mandelil Bay te bay avec confrère nous yo sur antenne radio télévision Caraïbe Johnny Ferdinand Samak guerrier Dieu seul dans journal première occasion. Mais là ça pour nous comprendre désir de tout ça maître Luc Mandelil dit là yo où elle comme un ancien homme d'état où elle garde avec un peu de réserve pour lui dire que équipe qu'il a il pourrait velléité. Il n'y a pas de volonté, la caillou, pour comme si vraiment vous voyez un ciel, bah, ben, dit, pour yo ta montrer que yo pas vin grinda avec yo, yo pas vin tete lang avec yo. Mais, li trouve que oui, li pas de problème, comme si que, bandi yo, ou te ka toujours mette deux options devant yo, soit que yo dépose zam, OK, l'état tende yo et ça qui baguette hein et bah écrite non, ouais tout ça qui peut enrouler yo. Que ou t'es capable rincer yo dans société hein, ça qui prend l'école à l'école, ça qui prend apprendre métier à l'apprendre métier pour yo pas qu'un pour pas qu'un métier zam nan nan. Mais ça qui yo même pas tourner qui get apprend ligne qui mande des rails même ça l'état apprend chemin apprend décision envers eux même. Mais il dit là et ouais, nous encore persister. J'aimerais avoir souvent fait une barre de lien. CNDDL, Commission nationale désarmement, démantèlement et réinsertion, qui était créé sous président, ancien président René Garcia Préval et président Jovenel Moïse après le réactiver. Et nous connaissons pas de réactivation que président Jovenel Moïse a fait. T'as gagné deux personnages là-dedans qui étaient très importants. Mais il y en a dans ces gens rebelles d'Orsena. Qui lui-même? Qui était capable d'être vraiment de bourrade avec autorité yo, nan aide yo, nan question résoudre sa guerre comme situation insécurité. Ça fait monsieur mettez accent sur ça. Il vraiment important. Le bagarre quoi que père et ancien ministre justice Mandelil dit pour montrer que je dis bandi a mieux fait choix yo. Et quoi fait choix yo? D'ailleurs, nèg yo crase prison,
nèg yo fait ensemble dégan nan pays an yo nan sel côté pa craser ces cimetières elle dit tout dit ces cimetières pour yo là c'est comme quoi m'da dit que ou avec un monde mon nèg pour faire un chemin et ou là pour aider mon nèg faire chemin an, ou dit moi ce que ou faire chemin en tout et puis mon arrivé devant porte là il pas veut rentrer mon a fait il fait tout parcours oui puis quand il veut devant porte là il pas veut rentrer dans quelle. Eh bien, ou même qui dit, ou qu'on est, faut faire l'entrée, ou obligé de faire l'entrée. Soit que ou faire l'entrée avec dialogue, ou dis-moi, ou faire l'entrée, ou pousser le pour l'entrée. En bon haïtien. Mais je dis là, jamais Luc Mandeli dit là. Bon, train de vie, messieurs, ça a déjà mené, mes amis. La difficile, lui, pour l'exa ou quitter bagage, en pile, quitter bagage ça. D'ailleurs, pile, là, nous, qui gens ils ont vivre. Qui j'en iso ap vive. J'en iso ap exhibe, ap montre, j'en la bien passé. Iso gen denon DJ. Iso gen, m'da di la, gen ba ay kote mette pil boisson, plaka ke mette pil boisson. Et boisson gen non. Et ba ti ba aso si ti mon baba, ba ki gen non. Même j'en ou te kapab ouè, nan jounè te vendredi 19 juillet, hein, ke barbecue, avec un gros bouteille boisson nan men, ba ki gen non. Et un week-end est un week-end. Donc, train de vie ça yo qui n'est pas mené. Surtout, n'est qui chef de gang ça yo. Yo! La difficile yo qui t'élevé. Et, même à ce cas, petit reportage ça que des imouens m'te partage avant m'kwa pile moun ouel là. Côté que gon média étranger font interview avec et t'il appli. Des amis, et pas n'importe train de vie non. T'il appli ge piscine ni pile chel goual man bon côté lui. Ami rassuré yon stan ka et t'il appli. Kou n'y a pas demandé l'ex ça pour quitter train de vie ça. Et si nous t'a prend dénonciation récemment que Pierre Espérance t'a fait, elle t'a dit que t'il a blégué pile gros business nan ni pays. Mais tu comprends? C'est vrai, nous besoin l'ex ça au vivant. Vous comprenez ça? Nous besoin au vivant pour être capable de dire qui est pour que t'il a blégué tout. Yo même, dans cette situation est là, c'est comme quoi m'da dit sous 10 non? Yo même sorti près le nième que yo fait. Regardez. Gade l'autre monde qui fait calé, qui fait plus que yo même. Mais fon kon ki est ça yo. Fon kon ki est qui fait plus passer yo. Fon kon ki est nèg ap travay pou yo. Société a besoin de ki est. Mais est-ce que nèg sa yo tout? J'ai au campé là. Est-ce qu'il y a ba opportunité? Est-ce qu'il y a ba possibilité? Est-ce qu'il y a ba occasion avec et autorité concernée yo pour t'apprendre au vivant? On doute très fort des sous ça. Bon. Est-ce que l'autorité qui l'a yo ou bien l'autorité qui t'est passé ou t'est voulu arrêter bandit vivant? Moi, je m'a dit non, pas vraiment de volonté ça, parce que nèg yo qui nan secteur politique traditionnel, nèg qui nan secteur privé, yo complice, yo voilà d'accord que yo qui bandit vivant, ou bandit pas à témoigner. En plus, l'an bandit yo, sans pourquoi arrêter yo, yo témoigner, yo loger doit être sur ensemble de monde, yo dit qu'il était bas aux arbres. Malheureusement, pas bon justice qui fort. Quand est bon justice qui fort, qui t'a pas fait suivre. Parce que là, bandit dit, mais qui est-ce qui te balzam? Pas même yon commissaire du gouvernement, pas même yon juge, pas qu'a fait une invitation avec nous, parce que yon se des barons dans zone côté aux Antilles, côté gang yon a contrôlé. Qui ont qu'à faire résoudre le problème ça? Et de fait, si n'a yon dit, c'est oligarque corrompu qui bat aux âmes, parce que c'est ça, non. Dans le reportage qui fait Kaïti la plia, c'est ça que Bandi yo dit. Yo pas cité non personne, mais yo dit c'est oligarque yo qui va kembe l'économie pays à nan men. Bon oui, nous dit ça, oligarque corrompu dans secteur privé hein, et classe politique haïtienne, non, yo pas innocent. Et je dis, c'est deux gros éléments clés. Et vous qui blessez, et vous qui blessez, qui sont pas le faire avec yo. Gagne la belle situation qui te gagne gros l'argent qui normalement était avec un sel sous canson soleil parce que bandit t'es envahi la kaili yo te mette du feu et si la pli goutte disons bagay qui est important li dit dans quatre batailles là où il vient dans l'espace faut que yo boule kaili pour au moins moun yo ka kou quitter zone nan yo ka espace ali pour yo bataille avec adversaire. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire en pile kaili ka boule là. C'est pas parce que nèg yo gen mission pou yo boule kay yo vrai non. C'est pas parce que yo gen problème avec moun yo non, mais y a boule kay parce que depuis moun an wè kay a boule côté cartouche a tiré, il pas prêté. C'est ça que tu l'as prêté. Mais combien fois n'a pas dans mon pays,
pour nous pays comme ça. Bon, qu'on y a gang, pas dans le groupe avec gang encore. Parce que c'est une question de G9, en famille alliée. Et GPEP, qu'on y a, c'est vivre ensemble. C'est vivre ensemble, tout volet. Si volet, tant que gros volet, tout le monde mette ensemble. Yo tout pis, on sait le groupe monde. Et yo ouais l'État, c'est virer l'angle. Mais tu prends des lignes correctes. C'est pas un message vraiment qui nous tenait au combat avec Abou Bejoun. Nous garantissons Blaise Peterson. Quitte bandit qui dans la région métropolitaine. Levez un bon matin. Yo gade. Yo wè, yo kadri Badelma. On y est pas arrêté Badelma. Même mon pied bois pas arrêté Badelma. Bon côté barbecue à diriger. Je garantis tout volé, tout petit assassin à voler. Parce que gen espace que tu gen gang là-dedans, la frère. C'est d'utilité publique ou besoin déclarer. Ok? Mm-hmm. Et facile pour pas exister encore. Parce que avec question construction anarchique, la grande coopération est difficile pour y faire. On nous assume les responsabilités. Nous connaissons nos secrets, nous faisons opération pour mettre vagabond, pour mettre bandit de yon. Mais tu peux dire, quoi, clair? Tout le temps, on a dit ça, bon, ici. N'est-ce pas attaquer tout le côté, on pas attaquer le cimetière. N'est-ce pas quitter le cimetière pour y enterrer? Qu'est-ce qu'on a enterré pour suspendre, kidnapper à tout le monde dans le pays, à Blaise Peterson? On avance avec M. Luc Mandelil toujours parce qu'il n'a pas oublié l'interview à Lilong, mais nous avons regardé fortement de bon séquence à donne et pour nous réagir. Et au même temps, on a regardé le capteur de nous là. On a quitté Mopau. On a quitté Mopau de ça, on comprend. De ça, M. Luc Mandelil dit, ancien ministre de justice et sécurité publique paysan et ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui sont comprend de ça, est-ce que tout à fait d'accord ensemble avec lui, mais est-ce que pas d'accord avec ça, Dio? On a écrit dans les commentaires pour là, parce que c'est bien. Pour traquer M. Sayo comme des animaux sauvages. Comme ancien ministre de justice, ancien commissaire gouvernement, vous souhaitez expliquer ça là plus d'une fois à environ un mois depuis au prend pouvoir officiellement. Donc nous pas commander au fait miracle. Cependant, on dit ou même ou ta premier ministre, chef CSPN, dans espace temps ça, 1, 2, 3, 4, qui sont pensés, signalé au tadoué, même si nous avons des actions en profondeur, mais au moins nous avons là, nous sur la bonne voie, dans quatre batailles qui doivent mener contre le grand banditisme dans le pays. Belle question. Oui, bah, nous avons fait par les justices qui sont symboles de l'État, que gang profané, avili, et Philippe Adé, et c'est pour lui, bah, nous avons fait. Et nous apprenons comme c'est bon l'État, même s'il n'est pas approprié pour le tribunal, et son circonstance qui, après par la justice, est finie crasée, il était prêté dans le local USAIDR. C'est le premier geste que nous avons fait. Deuxième geste que nous avons fait, l'enquête PAM, c'est l'hôpital général, on a parlé, et puis le centre hospitalier que nous connaissons, faculté de médecine, bon, faculté de droit, c'est une zone ça stérilette, c'est-à-dire pour un stérile, elle dit qu'il faut prendre et sous commissaire pour aller au gars, à partir de savane, puis ça, il faut tout en laisser, zone qui a fait faire ça. Et tout des cimetières de Port-au-Prince, on a parlé de blocs pour descendre des casernes pour aller jusqu'à la saline. Périmètre, ça faut stériliser. Si pas stériliser, sans un aigle faire là, il y a pour tout encore, il vient tirer, il vient faire des autres dans la zone. Elle dit qu'on est qui vient dans la zone avec là, il vient tirer. Faut une soirée méritée, faut être stérilisé. Et je crois que le commandant chef là, et comme technicien qu'on est de qui ça va parler, et je pense que monsieur est incompétent, c'est qu'on est de qui ça va parler. Deuxième geste, nous avons fait, nous avons pris comme une gaffe. Nous avons besoin de 250 à 300 avec la unité spécialisée PNH. Nous avons pris Omega, et Omega, et à partir du Carrefour, nous avons géré sous Maïa, et nous avons pris récit. Donc, mon chiffre. En 250-300, li assez, et pour me repousser, monsieur, avec violence. Parce que c'est l'État, nous, c'est nos gémons pour des facilités, donc on ne peut pas être trop stratégie, comment me débrouiller l'Algérie, les gars, etc. Au niveau de marine haïtienne, si il y a des problèmes, qu'on est toujours des bâtiments, des problèmes, etc., on a pris un géo, et on a pointé John Cannon, et derrière, on a reconfiné monsieur encore. Et l'aime dit confiné, une compagnie de là, bloqué. Et nous avons fait Chelbert, nous avons fait Charles Soudloa, et Marine avons fait pouvoir intercepter. Et nous avons pointé le canon derrière, et devant, nous avons bloqué devant.
il nous a fait même bagaille là. Vous parlez de comment ça il t'a pointé sur le canon à derrière et puis t'a bloqué des. Bon, tu veux ça parler, non, désir? Oui, oui, la parler, la parler, de... ouais, qu'est-ce que tu as parlé? Ensuite, c'est pour mes gestes, comme c'est pour mes questions, madame, c'est pour mes gestes que nous avons fait, pour nous banlier d'espoir, pour nous montrer paysan, donc c'est pas parler, n'a pas parlé, et nous pas besoin avec eux. Donc, périmètre de stérilisé, dépend d'être sorti sur le point de corps. Donc, c'est pour mes gestes que nous avons fait en attendant et pour nous avancer et pour nous bailler le peuple en souffle et pour nous et permettre que la vie plus ou moins lieu d'espoir, un petit soleil capable. C'est pour mes gestes que nous avons fait. Andelil, dans le dossier insécurité, je dis à gagner un paramètre important. Nous pas capable ignorer cette question de force multinationale de soutien à la sécurité. Je dis à gagner pratiquement 400 Kenyans qui déjà dans le pays et gagner plusieurs autres troupes de l'autre pays annoncé même le baron pour qui le dans même sorte affaire là puisque autant de des autorités parler pas des moindres le premier ministre particulier dit c'est la police acclamée qui prend la bataille. Dans quel sens vous pensez, force à lui-même, l'étapral Itilo, ou bien l'étape Itilo, ou même comme chef CSPN, comme premier ministre? Bon, étant donné force là, d'après ce que j'ai entendu de la presse, il vient en aide à la police. Ah ben, s'il vient en aide à nous, nous avons un travail pour faire, pour supporter nous. Bon, et ça, mon petit, je ne comprends pas, dans des secondes 200 vins avant, qui presque un mois là, m'ta des vins sans matériel, bon l'autre 200 vins, vins sans élément, donc mon petit, j'ai pas trop compris. Et comment on force qui vient aider nous, et ta vins demain vide. Donc là, mon petit, j'ai perdu, m'ta trop compris. Et sauf que, m'pense que c'est l'idée d'allégeance, mon qui autorité dans le pays, faut ta dit, monsieur, si vous avez aidé nous, ou bien vous aidé nous, vous avez pas aidé nous. Parce qu'il y a péril même dans la demeure, dont nous. Pas capable de souffrir encore, donc c'est un tour, c'en est assez. Et je pense qu'il faut aller le plus vite possible. Et si on vient vraiment, il faut souvenir dans la guerre, parce que c'est dans la guerre, lui, là. Donc, il faut monsieur Tavine à toute bataille, à tout moyen qu'il faut, effectivement, vous venez en aide à la police. Moi, même pas penser que c'est un mauvais bagage. Si c'est la police avec l'armée et qui opérationnelle, parce que paysan, c'est nous connaissons, sociologie paysan, tout corridor paysan, langue paysan, c'est nous parler. Cependant, si eux deviennent en aide à la police, ça veut dire que si l'État pas décidé de faire un travail pour faire, pas faire un tour, et ça veut dire tout, ça veut dire que si vous venez d'aide, c'est moi pour nous, mais ça pour faire. Et si pas mon travail, mais ça que je pas faire, ça veut dire que c'est très important. Moi, je pense que, et tout ici qui là-haut, je souhaite, il y a pour ça très au sérieux, et pour n'aller plus vite, parce que sinon, son pays n'a perdu, parce que j'en bats à la là, et quand il est très confortable, et on dirait, monsieur, pas sans rien, pas privé, et il pense que c'est jouable avec vous, et qui fait, ou senti que par contre, qui étude, au début, l'étape parlé de force là, ou senti, monsieur, était plus paniqué. Mais qu'on y a un nègre qui réconforte, et monsieur senti que vous pas confiance, comme si on n'est pas privé, et là, moi-même, pense que l'État et la justice doivent semer la terreur et dans les camps et des criminels, des terroristes. Ça, c'est ancien ministre de justice Luc Mandelé, M. Claire. L'État doit créer Pirez, la caille gangue et la caille criminelle. J'en ai toujours dit, paye après changer quand? Et paye doit changer quand? Pour me répéter, Luc Mandelil. Là, désir, nous pouvons permettre de nous faire retourner sous adresse à la nation. Excusez, que PM connaît faire, parce que y a des gens qui peut-être ne doivent pas attendre toute adresse, non? Ok? Qui ne pas attendre adresse, non? Mais, il est important, désir, pour que nous soyons capables de faire mon yo, retendre adresse, non? Et moi, c'est là. Il y a là vraiment intéressant pour nous faire mon note. Bon, avant de nous venir avec l'adresse, non? Je regarde ce que je vais faire mon note et conférence bilan qui organise ces droits humains. Défenseur plus lui-même présenté sur question situation droit monde dans trois premières années. Alors, six premiers mois, pardon.
de janvier jusqu'à mois juin, dans les premiers et semestre, pour contenter qui quantité de dégâts qui gagne. Est-ce que vous avez un bilan? Mais là, et après ça, on a retourné avec et adresse à ce que PM Gaïkoni connaît les mêmes effets. Dans le jour de mercredi à des événements. Ensemble, deux situations, ça y est dans le pays. Dans le cas, ça y est, nous gardons tout le droit à l'éducation. Un droit à l'éducation, on est capable de dire pour 6 mois pendant l'année, c'est un droit qui est totalement bafoué. Côté 1, question du nombre de jours de classe par exemple respecté. Soit plus passer 3 mois à l'école, fait surtout dans le département de l'Ouest avec la Tibonite. Deuxièmement, nous constatons un peu l'école pillée, vandalisée. C'est 4 pour l'école Fresno, c'est 4 pour le collège Bird, c'est 4 pour le séminaire collège Saint-Martial, pour citer ça seulement. Donc, l'école, ça y est, elle est pillée, vandalisée, elle est attaquée par des bandits et des armées. En pile l'école, tout est arrivé fermé pour yo, soit plus passé 900, soit dans fin mois janvier. Ça qui n'a pas empêché plus passer 200 000 timoun, eh bien, tu arrivé jeune peine d'instruction. Et après attaque grissier, yo, dans pile l'autre l'école dans Porto, qui n'a pas fermé, ça qui n'a pas augmenté, chiffre ça. Et il faut que nous disions enseignement supérieur, tout les frappé dans violation droit ça, qui c'est droit à l'éducation dans le pays, en côté que, en pile faculté, surtout dans l'État. Ils ont pillé, vandalisé, attaqué ces cas faculté de médecine et de pharmacie, ces cas école, ces cas ENA, c'est l'école nationale des arts, ces cas faculté des sciences, ces cas pour école et faculté d'agronomie qui pillé, vandalisé, écrasé. Dans ça qui est pour avec droit pour manger, nous demandons droit à l'alimentation. Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dépisté plus passé 30 000 personnes. De moins 5 années qui souffrent de malnutrition dans le pays. De l'autre côté, CNSA, et il fait un rapport qui a plus de 5 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire. Ça veut dire droit pour manger est totalement bafoué pendant 6 premiers mois pour l'année. Droit à la santé, lui-même encore, c'est une catastrophe pour que un pile l'hôpital attaqué, pillé, vandalisé. C'est quand pour l'hôpital général, l'hôpital français, l'hôpital de Supio, c'est une salle pour citer ça seulement. De l'autre côté, la crise qui a pas gagné dans le pays, c'est la cause en pile pharmacie et était boulée, soit qui pillait tout. Et bien, dans ce sens-là, comme conséquence, il y a une crise et des médicaments dans le pays, à côté qu'en pile monde, soit qui souffre de cœur, souffre de tension, il y a un problème pour jouer des médicaments. Et comme ça doit. Droit du monde, c'est un endroit qui est totalement bafoué, totalement violé pendant 6 premiers mois. Pendant l'année 2024 là. Il faut que nous disions que la crise qui vient aussi de nous déplacer, le principal et premier monde qui est victime, c'est les gens. Trois femmes. Ce qui est avec trois femmes, c'est une catastrophe totale. Trois femmes actives ont participé violées dans le pays pendant 6 premiers mois de l'année 2024. Là. Et le cas qui est plus récent et qui est plus marquant, c'est le 29 mars, côté que Bandi Axam entré dans un camp qui est le gymnase de Messan. Il y a deux personnes, côté qui ont 3 ans, qui ont 12 ans, qui ont violé les gens. Donc, Défenseur Plus, il condamne Zach Sayo et demande l'État pour prendre responsabilité. Dans ce qui est pour avec les gens qui sont déplacés dans le pays, le droit des migrants, il faut qu'on dise qu'ils sont déplacés internes et les migrants, les gens qui sont dehors, ils sont déportés dans des conditions et qui ne parlent pas à la loi du tout. Dans ce qui est pour avec les déplacés internes, selon OIM, il y a plus de 678 000 personnes dans le pays. Surtout le département de l'Ouest avec la Tibonite qui est déplacée. Dans ce qui est pour avec l'immigration externe, c'est une catastrophe côté que, et surtout dans la République dominicaine, le déporté ICO, pas pile, pas paquet, dans mauvaises conditions. Ça, c'est exactement une responsable collectif Défense Plus, monsieur qui t'a présenté ensemble de violations que fait de droits haïtiens. Alors, surtout, on dit qui est bien mal. On qui bien mal yo et qui connaît déjà comme si c'est toujours même yo même encore toujours même nous même qui encore cap victime en bas main action criminelle assassin sans foi ni loi et même Saint-Domingue que connaît qui pas suspend déporté haïtien pas suspend fait haïtien eux même et monter ciel pas d'eau désir Venise là on pense que nous pral devenir avec pour nous retourner avec adresse PM non puisque on connaît des monde qui te gen droit et raté adresse PM non même parce que nous pral tourner avec lui et encore pour nous tendre prend temps nous analyser et essayer comprendre bien tout ça nous capable comprendre de adresse PM Gaïkoni chef CSPN qui c'est premier des policiers
PM nan, qui adresse la peuple nan journée mercredi 17 juillet hein, jeudi hein, sous ensemble andi vrai problème pays a connait ce qui c'est insécurité hein, mais PM ga ekoni c'est vraiment sur ça qu'elle met accent et pour le monde qui nan ki niveau que insécurité a gros impact sous et peuple haïtien des hivers. Même on attendait retendé bon mon qui était déjà prétendé mais c'est là qui peut côté yo n'a pas chance tendé kounia et toute intégralité adresse à la PM ga ekoni te faire. Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. À ce moment-là, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clé, tant que nous connaissons, sur un sujet qui préoccupe nous tous, sans ou être émotion. C'est causé insécurité. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zones métropolitaines et plusieurs autres côtés dans le pays à Kankou la Tibonite. Groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie chaque jour dans Port-au-Prince tourne une bataille pour survivre. La famille a vécu dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si vous n'avez pas l'école encore, le business, vous fermez les portes. Et puis l'hôpital avec la santé, vous avez abandonné. La rue capitale noire, vous avez tourné un champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie. Et côté l'espoir, vous avez semblé beaucoup prête pour bouger. Le groupe criminel, vous n'avez pas seulement la guerre la troubaille dans la vie chaque jour. Mais on affecte l'économie pays à tout. Route commerciale bloquée, chaîne d'approvisionnement perturbée. Et puis investisseurs, ils tellement découragés, ils n'ont pas intéressé à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui a gagné l'économie pays en dégrabat. Ça a créé plus de pauvreté et de chômage et la guerre compatriote nous, deux bras pendiers, sans espoir. Impact humanité a même c'est pas parlé. En pile milliers moun qui te kayo pour prendre refuge soit ka les amis ou bien un parent et surtout nous ouais ça dans une série de abri provisoires qui chargé avec moun déjà. Car des Jacques utilisé comme une arme pour contrôler communautaire. Femme actif en particulier, c'est victime principale crime ça yo. Ils ont souvent kidnappé, violé et puis forcé à faire ça, ils pas dû faire en bas menace ZAM. Zak sa yo, yo kite mak physique, ak psychologique kap duré longtemps, pas seulement sous victime direct yo, mais tout sous famille ak communauté yo. Système santé a qui était déjà faible, vin ple ak victime violence ak moun kap soufri à cause de l'effet direct tout problème ça yo. Insécurité alimentaire paraît clé. Ak pourcentage malnutrition cap augmenter plus tous les jours. Situation tragique ça vin plus grave ak un climat impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption ak la pérèse envahit institution yo qui fait les vin plus difficile pour autorité yo répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté du pays. Remettre la sécurité à l'ordre de Port-au-Prince. C'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je viens annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays une fois pour toutes. Initiative pour marquer un gros virage dans la bataille contre Calversa. Ces résultats plusieurs semaines de planification, avec discussion,
avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti avec le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, je dis, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement, les outils et instruments nécessaires pour agir, couper les bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y ait, moi, j'ai des populations dans les communes qui concernent pour être vigilants et calmes. Conseil de sécurité a vint de temps en temps et gouvernement, deux gouvernements seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile, ça, il est important pour nous être jambes, unis et puis disciplinés. Collaboration avec engagement nous important en pile pour nous traverser la crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous tous pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui a couvert sur qui la police a clamé à protéger la population. Je demande éviter de faire un reportage qui a baillé des informations sur la position de force l'audio à qui l'opération a déroulé. Quitte le reportage en direct, quitte le pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH à support force Kenya à force la Médaïti pour commencer petit pas déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de la Justice là, pour faire tout ce possible pour renforcer, presser, le système judiciaire nous, pour nous continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, c'est pour tout n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, mais il est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité de la zone. Nous allons encourager la coopération entre la population et la force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pourrons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je tout dis, il n'est pas rapide. Je voulais mettre ça clair dans la tête. Nous. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous. Confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal demande temps et participation de toute société. Mais songez tout, que moi toujours dit nous. Haïti n'a pas péri et Haïti n'a pas perdu la bataille. 1804, mariage la main indigène et la population de banou indépendance. Et bien 2024, ça, nous devons réaliser mariage force l'audio et la population pour libérer Haïti en bas de toute qualité bandit qui a touillé, violé et puis appauvri malheureuse et malheureux. Moi, je voulais dire nous tout. Côté nous embarqué là, pas rien faire bac. Timoun, pas entrer dans le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous en main nous. Haïti libre en cette nous, te bail ak mouri pou li a. Pas seulement pour génération panoua. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça et puis pour le remettre les mains dans la main par l'autre génération qui a venu, par petit li et par petit petit li.
compatriotes moi yo, objectif nous aujourd'hui est clair. C'est pas seulement retourner pays à Jean Téye quelques années avant, mais c'est démarrer li une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstances qui a obligé un pays mander l'autre pays aide surtout dans affaires crise humanitaire, crise sécurité. Mais aucune génération